Je la refais. Oulala. Ah, elle a toujours cet oubli de micro. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, du Pokémon, mais c'est bizarre, c'est pas dans le titre, c'est pas marqué Pokémon Scintillant. Et... Tiens, c'est bizarre, il fait en facecam tout ça, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, déjà, je vais vous raconter un petit truc. Bon, j'ai continué un petit peu en off le Pokémon Diamant Étincelant, le petit jeu sur Switch qu'on a fait cet après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là en stream. Hein. Et bah, ça m'a déçu, sur-dessus, sur-déçu. Oh. Et ça n'a pas fait que monter déjà les souterrains. Bah, c'est chiant, c'est plus de la défense, de l'attaque défense, tu prends le drapeau, tout ça, ils ont complètement tout changé. En fait, c'est juste, tu montes ta grosse bite et puis voilà quoi. Tu t'exposes ce que les meilleurs statuts que tu as montré, et il n'y a pas de rivalité. Tu peux même plus poser de piège ou autre. Donc, bah. C'est nul! C'est nul! C'est le truc que j'adorais dans ce Pokémon-là. Poser des pièges, piquer les drapeaux, faire ta propre base. Là, tu poses juste des statues dans ta base et c'est tout. Et c'est tout. Rien de plus. De ce que j'ai vu. Si ça se trouve, il y a d'autres choses, mais bon. Voilà, du coup, il y avait ça. Il y avait aussi que bah, depuis le début, je pense que ça s'est ressenti. Bon, il y a plein de trucs qui n'y sont pas. Il y a, j'ai envie de dire, trop d'aide pour le multi-XP et puis pour l'histoire. Pas d'inquiétude, je vais lancer le jeu après. C'est juste que je blablate un petit peu. Puis le temps que tout le monde. Que les gens viennent et puis tout le tra. Voilà. Bref, y a un peu trop d'aide et puis bon, il y a un peu la nostalgie aussi des anciens graphismes, tout ça. Donc, bon, c'est vrai que le Pokémon sur Switch, il a sa propre graphisme, tout ça. Bon, je peux rien y reprocher, mais bon, c'est plus niveau gameplay, ça me perturbe un petit peu. De toute façon, vous allez le voir. Le monde est pareil, mais c'est différent. De toute façon, j'imagine que c'était le cas pour Zelda Link Awakening. J'ai jamais fait le Zelda Link Awakening, le tout premier qui était sur GBA, justement. J'ai fait que sur Switch, donc forcément, je l'ai trouvé bien. Mais pour ceux qui l'ont fait sur GBA, ils ont peut-être dû trouver des choses qui n'allaient pas. Comme moi et Nico. Nico, il n'a jamais fait Pokémon Diamant sur DS. Il l'a toujours fait sur Switch. Donc forcément, lui, ça ne l'a pas gêné. Mais quand tu as déjà joué sur Diamant, voilà quoi. C'est que. En soi, c'est comme si c'était un livre adapté à un film. Non, un film adapté à un livre. Bon, il y a des choses qui vont pas. Non, cette comparaison, non, elle fonctionne pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, enfin, dans le stream précédent, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Notamment, ouais, il y avait quand même aussi les graphismes. Je vais revenir encore là-dessus. Quand tu regardes ce qu'ils ont pu faire avec Zelda Breath of the Wild et que tu vois le Pokémon et le étincelant qu'ils ont sorti, voire même Zelda A Link Awakening, ils auraient pu nettement faire mieux. Quand tu vois que partout c'est flou, tu t'approches, tu vois que les bibliothèques sont floues, tout ça, alors qu'ils auraient pu faire ça bien net. Dans Breath of the Wild, ils arrivaient, c'est le premier, enfin l'un des premiers jeux qu'ils ont sorti sur Switch, et
comment... Enfin, voilà, quoi. Je comprends pas, quoi. Bref. Du coup, sur la DS, bah, tu te dis, bon, ça passe, c'est un peu pixelisé, donc ça passe plus facilement, mais sur Switch, non. Non. Quand tu es capable de faire Breath of the Wild, désolé, mais tu es capable de faire, de pas faire de flou, de... Bref, je chipote tout ça. Mais du coup, on va faire Pokémon version diamant tout court sur la DS. Pas d'inquiétude, j'ai l'émulateur, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, évidemment, tout ce qui est multijoueur, bah, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais ça sera beaucoup plus agréable, j'ai envie de dire. Ça sera beaucoup plus agréable. Même si je vais quand même faire Pokémon Diamant Étincelant pour quand même le faire. Mais bon, non, ça commençait à faire de trop. Même pour le concours, quand j'ai vu dans les souterrains tout ce qu'ils ont modifié, le concours, ça sera pas celui que j'ai connu, alors que c'est le souterrain, le concours, c'est le truc que j'aimais le plus faire. Donc bon, bref, sans plus tarder, hop là. Alors, pas d'inquiétude, c'est pas le étincelant, hein, c'est juste pour histoire de mettre un fond. Alors normalement, j'ai tout réglé, normalement tout est bon. Tout est bon dans le jambon. Je vais juste vérifier parce que Nico, il voulait voir au moins le début. Il m'a pas répondu, je vais le spammer. Nico. Gigo. Smiley souriant de toutes ses dents. LOL. Ah tiens, pour lui faciliter la vie, je vais lui envoyer. Ah, du coup, attendez, je vais remettre comme ça. Je vais lui envoyer. Merde. Hop, on va passer par là. Donc, ouais, ce qu'on va faire du coup, c'est. On va faire exactement comme ce qu'on a fait cet après-midi avec Pokémon sur Switch. C'est-à-dire, on va aller jusqu'à Vestigignon. Sauf qu'on va aller un peu plus vite vu que entre guillemets on connaît les dialogues. Donc bon, on va skip un petit peu les choses. Hop, donc ça, attends, je regarde les choses. Ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Hop. Nico, il va dire, mais putain, tu fais chier, t'arrêtes pas de me spammer là, t'es chiant là. Je suis tranquille sur un autre jeu là, je veux pas. Oh, oui, bah. Voilà. Non, c'est plus, oh bah, j'étais en train de dormir. Voilà, je t'attendais et j'étais en train de dormir. Bref. Ah merde, j'ai mis ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Du coup, le réglage son, ça va être beaucoup mieux avec la nouvelle XSplit. Hop, 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 vous allez voir, ça va être génial. Et je me tais. Déjà, rien que le début, déjà, on a une intro. On a une intro. Là, enfin, j'ai juste lancé le jeu pour voir si le room il fonctionnait. Et c'est tout. Mais c'est à chaque fois. Mais bon. Vous allez le voir, hein, de toute façon, c'est comme si on me balançait. Ah. Là, je peux rien faire, je peux pas appuyer sur des boutons ni rien, vu que c'est la première fois, entre guillemets, que je lance le jeu. Donc,
Ah merde, désolé. Je vais juste faire un petit truc. Voilà. Voilà. Déjà, si sur Switch, il y avait au moins cette intro qu'ils auraient refait, ça aurait été cool. Mais non. Non. Bon, là, c'est assez pixelisé. Non. Normal, normalement, c'est pour la DS, mais. Au moins, comme ça, on va pouvoir comparer à fond. Voilà, ça c'est de l'intro. Pas comme l'autre où on a dès directement le professeur Chen. Voilà. Ah non. Par contre, merde. Alors je sais pas où ça va aller. Mais bon. Alors, bonjour, quelle joie de te rencontrer, mais qui est-ce? Bienvenue dans le monde des Pokémon. Et voilà, et là il apparaît. Donc c'était bon l'affichage. Hop. C'était. Merde, attendez. Merde. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, je vais retrouver. Pourquoi ça? Voilà, c'est bon. Alors, je vais juste vérifier. Ok. Voilà. Mon nom est Sorbs. Tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Déjà, voilà. Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Déjà, voilà. Faut partir du principe qu'on connaît pas Pokémon. Même si. Tiens, commande. Déjà, ça, c'est pas mal. D'accord. Ouais. Et là. Ah oui, ici, c'est l'écran. Alors. À gauche, ça sera l'écran tactile. À droite, c'est l'écran principal. Et là, pouf! Peux-tu savoir autre chose? Info aventure. Prépare-toi à te lancer dans une grande aventure à la découverte d'un nouveau monde. Tu vas faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles villes. Profites-en pour récolter autant d'informations que possible. En résolvant des mystères et en aidant les gens, tu pourras ouvrir de nouvelles voies. Alors, je remarque que mon son est beaucoup trop fort, mon son du micro. Voilà, là ça devrait être un petit peu mieux. Putain, je hurle quand même encore si je fais ça. Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah non, là ça doit être un petit peu mieux quand même. Voilà. Donc, alors. Ouais, parce que genre, je monte légèrement ça. Voilà. De toute façon, je vais pas gueuler non plus, mais ouais, si quand même. Donc, alors, on continue. Ah oui. Hop, là. Attends-toi à te défier par de nombreux dresseurs et à affronter des créatures sauvages. Sois brave et ne perds pas espoir en surmontant. De telles épreuves, tu gagneras en puissance. Mais tu t'apercevras que ce n'est pas une simple question de force. Oh oui. Nous espérons que tu rencontreras toutes sortes de gens pendant ce voyage et que tu apprendras à mieux te connaître. C'est notre objectif principal. Veux-tu savoir autre chose? Non, merci. Ce monde est peuplé de créatures un peu. Oui, j'ai dit que je lirais pas les dialogues, mais bon, je peux pas m'en empêcher. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens,
Voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Voilà, normalement, un remake, t'aurais dû avoir ça. Avec les graphismes améliorés. Mais non. Écoute. Oh. Un Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Voilà la fameuse question que j'avais posée, que je m'étais dit sur Switch. Mais ils font pas garçon ou fille. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue un garçon? Non, on fait un garçon. Tu es bien donc un garçon? Oui. Comment t'appelles-tu? C'est pas clavier tactile. Alors, hop. Ah, c'est pas du AZERTY, merde. Déjà, vous voyez la différence. Déjà, ça t'introduit, c'est... On est d'accord, c'est beaucoup mieux sur DS que sur Switch, même si sur Switch, il y a, comment dire, les graphismes qui sont meilleurs, mais... Bon, les graphismes ne font pas tout. Merde, ça c'est Select, ok. Star, ok. Tu t'appelles Azul V3? Oui. Ok. Donc, tu t'appelles Azul V3. Quel beau nom tu as, pseudo. Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis. Quel est son nom? Ah, voilà. Là, il y a Enzo qui est là. Là, il y a Enzo dans les choix. Ah. Enzo, c'est ainsi que ton ami s'appelle. Oui. Ah, là, ça fait plaisir. Je crois que je vais prendre beaucoup plus de plaisir à jouer là-dessus que... Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Plonge dans les mondes de Pokémon. Attention. Et là, vous. Cette petite animation qui manque. Alors, est-ce que c'est le... Ah ouais, c'est... le Léviator, ok. Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration, le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable. Le supposé Léviator reste invisible et l'équipe est démotivée. Ah ouais, donc c'était bien un Léviator rouge. Ok. Ah. Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche du Léviator rouge. Diffusé... pour vous, par Félitélé, sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Voilà. Bon, c'est peut-être pas aussi fluide, mais au moins... Alors, voilà, le fameux menu. Alors, vitesse de texte, ok, animation combat, ok, style de combat, ok, son stéréo, tac. Oh, je sais plus, je crois que j'avais bougé ça. Et la fenêtre. Heureusement qu'ils ont gardé le sur Switch qu'on pouvait personnaliser les mêmes fenêtres. Parce que, bon, j'aurais été malade. Voilà. Et là, la sauvegarde. À l'ancienne. Ah. Non mais, c'est con, mais ça fait tellement plaisir. Bon. Ça prend son temps par contre. Ah, et
le petit son. Et regardez, c'est même pas une Nintendo Switch. C'est même pas une Switch. C'est une Wii. Il y a une télécommande Wii. Ouais, une Wii. Et du coup, l'histoire de l'horloge. Le bouton X ouvre le menu. Très bien. Azul V3, Enzo est venu pour te voir il y a quelque temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. D'accord. Et puis là, ils ont pas au moins la grosse tête. Et au moins, il a la casquette dès le début. Ah oui, Azul, ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas. Alors, t'inquiète pas, Mom. Ah, la belle ville. J'ai l'impression que ça lag un petit peu. Mais de toute façon, sur DS, ça faisait pareil un petit peu. Ça fait quand même bizarre. Et les graphismes, bon, j'avoue que sur Switch, c'est pas mal, mais bon. La technologie me coupe le souffle, c'est vrai, maintenant, on peut jouer avec des gens dans le monde entier sans fil. Ok, lui, il dit la même chose. Ah oui, oui, ça, c'est pour fermer l'écran, oui. Oui. Il est où? Et là, il y a un plan de la ville. Il y a un plan de la ville, J'avais pas dit ça sur quand j'avais fait le Switch, mais c'est très utile. C'est un petit détail à la con, mais dès que t'arrives une ville, moi ce que je faisais, c'est je regardais les panneaux et je voyais tac tac tac, ah le poste de soins il est là, le marchand il est là, ah il y a tel bâtiment et hop voilà. Bon après, je suis d'accord, il voulait l'exploration, mais bon. C'était quoi ça? Oh, salut Azul! Hey, je vais au lac! Tu viens aussi? Hey, dépêche-toi un peu! Fuck, Azul! Tu me devras 10 000 PK dollars si tu es en retard! Oh mince! J'ai oublié un truc! Ah là là! Et au moins, regardez! Regardez! On peut aller sur les chaises. On peut aller sur les chaises. Contrairement à sur Switch où tu ne pouvais pas aller sur les chaises. Et c'est pas disproportionné. Regardez, ils ont pas des grosses têtes. C'est con, mais voilà quoi. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Oh. Salut Azul! On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 dollars. Poké dollars. Si tu es en retard. Et oui, pour le coup, oui, je confirme, on ne peut pas courir du coup au début. Ah, la bonne vieille musique. Hé, hey, tu as vu le bulletin d'information à la télé, pas vrai? Tu sais, à la recherche du Léviathan rouge, sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. Cette émission m'a fait réfléchir. Je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare comme celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire. On va trouver ce Pokémon. D'accord. Oui, donc comme sur Switch, on ne sait pas quand est-ce que on peut bouger, quand est-ce qu'ils arrêtent de parler. Ah, sur la rediff, enfin sur le stream, ça rend pas mal parce que c'est sur un plus petit écran, du coup c'est moins pixelisé. Bon après ça fait en saccadé, mais c'est normal, c'est comme sur la DS, ça fait pareil, ça j'y peux rien. Direction le lac. On va se trouver un Léviathan rouge.
Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Ah non, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Peu importe. Au moins, nous avons vu à quoi ressemblait le lac. Viens, Aurore, nous partons. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinon, à Sinnoh? Après 4 ans d'absence, ça doit vous faire plaisir, non? Il y a une chose dont je suis sûr. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Sinnoh va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous avons du travail. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Hé, hey, Azul, regarde ça. Allons voir de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète pas. Il ne sera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. On connaît la suite. Oui, j'avais dit que je lirais pas les dialogues, mais bon. C'est une mallette. Je peux pas m'en empêcher, je suis à fond dedans. Ils l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on doit faire? On pourrait leur rendre... Mais non. Mais où? L'un des deux a l'air d'être un professeur. Et là... Ouah! Des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, de mémoire, c'est celui-là. Yes. Tip plouf. On change pas une équipe qui gagne. Ah. Là, il n'y a pas beaucoup de trompettes, contrairement à... Oh, il y a la... Bah oui, c'était Réo. Voilà. Voilà comment ça se passe, les attaques. Paf, paf. C'est rapide, net et précis. Et d'ailleurs... En même temps, ils n'ont pas 2 écrans. Hop, hop. Bon, oui, il n'y a pas d'animation en soi, mais... Est-ce qu'il y a vraiment besoin pour faire un bon jeu? Ouais, je... Je sens que le son est un tout petit peu trop fort, mais bon, ça devrait passer quand même. Ah, 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 ah. Ouais, c'est ça. Yes! Ton Tiplouf a été plutôt bon. Mais mon Tortipouce était 2 fois plus fort. Mais ces Pokémon ne sont pas à nous. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on les utilise. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Tiens, tiens, tiens. Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Oh non! Vous avez utilisé les Pokémon? Oui? Oh non! Que va dire le professeur? C'est pas bon du tout, ça! Je vais reprendre la mallette. Ah d'accord, on les a redéposés... Non, les Pokémon, on les a gardés. C'est quoi toute cette histoire? Toutes ces histoires? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal se passer. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars. Bah ça sera autant de temps qu'avec le mien. C'est moi qui... Vu que tu me suis... Nya, 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 nya. C'est encore ces gens. Est-ce que ce vieil homme nous regarde?
Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois. Alors c'est comme ça. Aurore, je retourne à mon labo. Oui, attendez-moi, professeur. Je pense que vous voudriez passer nous rendre visite à notre labo. Ok, à plus tard. Mais c'est fou cette histoire. Je veux dire, s'il était en colère, il aurait pu juste nous crier dessus. Et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon. Azul V3. Azul. On devrait rentrer nous aussi. Quoi de neuf, mon chou? Waouh! Je ne peux pas y croire ce qui t'est arrivé. Je suis bien contente que Enzo et toi soyez sains et saufs. Le professeur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littoréire. Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Il paraît que c'est une personne très impressionnante. Azul, je crois que tu devrais aller le voir à Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon. Je sais, enfile ça. Des chaussures de sport. Voilà. Pour rire plus vite. Maintiens le bouton B. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y avait bien une touche. Ah là 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 là. Tac tac tac. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait bien une touche. Parce que sur Switch, il n'y avait pas de touche, mais tu pouvais marcher si tu mettais pas à fond le joystick et courir si tu mettais à fond ton joystick. Mais sur la DS, tu n'as pas de joystick. Sur la DS classique, c'est une croix directionnelle, donc tu peux pas jauger. Je peux pas jauger la vitesse, quoi. Donc, ok, c'est bien ce qui me semblait. Oh, du coup, ça saccade encore plus. Bon, c'est pas grave. Merde, Enzo, il est déjà parti. Oui, bon. Ah oui, c'est vrai, il est déjà parti. Ah, allez. Et ça sauvegarde pas automatiquement. Ah oui, j'ai déjà un Pokémon, oui. Parce que je me suis dit, merde, je vais dans les herbes. Alors par contre, oui, je vais prendre exactement les mêmes Pokémon que j'ai pris sur la Switch. Hein. Donc ça veut dire un Étourmi et un... comment ça s'appelle? Et un Luxray. Un Lixi. Par contre... Ce que je vais prendre en plus, ça va être des cobayes. Parce que l'histoire des CT, on peut pas utiliser la fameuse montre pour utiliser un autre Pokémon. On est obligé d'avoir un Pokémon de notre équipe. Donc... Donc je vais prendre un Cravalanche et un... Bah, un Étourmi, j'aurai déjà ce qu'il faut pour vol. Ce qui est embêtant, c'est que ça va m'utiliser une case vol. Alors, là, on entend bien le thème. Contrairement à... Mais bon... C'est sûr, j'ai été habitué avec de jouer à la DS, donc forcément, je cherchais à avoir les mêmes habitudes. Donc forcément. Oh, te voilà. Mais bon, il y a des trucs, c'est inadmissible, comme l'intro, toute l'intro, ça a été enlevé. Quoi. Enfin, pas toute, mais une bonne partie. Oh, te voilà, viens avec moi, s'il te plaît. Oh, oui. Le professeur nous attend. Oh, le professeur Robert.
nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Bouh. Mais que... Oh, c'est toi, Azul. Ce vieil homme est encore plus fou qu'effrayant. Ah, ce n'est pas grave, Azul. Je m'en vais. À plus. Nion. C'était quoi, ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Doudou. J'espère que le son, il est bon, hein. Mais normalement, c'est bon. Blablabla, bon, je vais skip ça, hein, on connaît, blablabla, type loup. Lui donner un nom. J'aimerais bien lui donner un nom, mais je sais pas quoi. Eh ben, hey. Tu sais quoi, je vais faire comme ce que j'avais fait une fois. Merde. Non, je veux pas l'appeler T. Je vais l'appeler Tiplouf. Comme ça, quand il va évoluer, il s'appellera toujours Tiplouf. Pas bête, hein. Oh, je vois. Et ce nom te plaît? Yes. Enzo m'a expliqué blablabla. On connaît l'histoire. Tiens, prends ce Pokédex. Blablabla. Moi, c'est un Whistikrab que j'ai eu en premier. Passons au sujet important. Tac. D'ailleurs, comme sur Switch, quand il entame, bon, passons à un sujet important, la musique redémarre. Voilà, je te donne un Pokédex. Oh merde! Oh yes! Je veux rester là pendant très longtemps. Ouais. Ok, donc. Non! Ça, c'est comme le hibou dans Zelda Ocarina of Time. Tu fais ah. Et merde, il répète encore. J'en ai eu un, moi. Ah, route 201. Dadadada. 60 longues années encore aujourd'hui. J'en ai des frissons. Dadadada. Ce monde. Dadadada. Bon. Dadadada. Heureusement que je skippe ça. Whistikrab. Tac. Ça, tout ça, on connaît. Voilà. Bon, oui, les personnes, ils sont pixelisés, tout ça. Mais ils sont jolis! Fuck! Azul, je vais te me servir de guide. J'ai un peu plus d'expérience que toi dans le Voilà! Voilà à quoi ça ressemble! Puis c'est pas rouge, c'est. C'est orange! Bleu, ça c'est bleu! Ok. Et regardez comment c'est à l'intérieur. Je sais pas si sur Switch c'est pareil, mais là la musique est lente parce qu'on est en nuit. D'ailleurs, à l'extérieur, si vous remarquez, en extérieur, il fait sombre et les bâtiments sont éclairés parce qu'il fait nuit. Donc, je sais pas si sur Switch, c'est pareil. On pourra tester tout à l'heure, mais je pense que c'est pareil. Ah non, on n'a pas encore notre carte. Mignon. De mémoire, je crois que... Alors... Non, il donnait pas d'objets dans les bâtiments. Bon, allez, on va aller chercher les Pokéboules. Ah oui, non mais oui, faut que j'aille avertir ma momo. On va passer par là. Oh non !
Ah oui, c'est vrai. Après, il n'y a pas besoin de faire l'écran tactile non plus. Et au moins, quand notre Pokémon sera dans le rouge, on aura le signal sonore, le tidou, 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 en continu. C'est chiant, mais ça fait plaisir. C'est un petit détail qui fait plaisir. C'est ce qui fait le jeu, quoi. C'est comme si tu faisais un jeu Zelda et qu'il n'y avait pas la Master Sword. C'est ça, quoi. Si t'enlèves un élément du jeu, bah, c'est plus vraiment le jeu, quoi. Ça casse tout. Enfin bon. Blablabla. Oui. Le journal. Et ça, c'est un vrai journal. C'est pas comme le journal sur Switch. T'as plein de trucs, t'as les guides, tout ça. C'est un journal. Point. Oui. Tiens, d'ailleurs, il n'y avait pas ça, je crois. La mère qui arrivait, la mère d'Enzo qui arrivait. Quoique, si. Mais vu que la caméra était tournée. Si, qu'on a reçu le colis. Par contre, le truc, c'est que vu que je vais avoir tendance à aller un peu plus vite que sur Switch, je risque d'évoluer beaucoup moins vite et du coup de prendre un peu plus dur. Alors oui, pour le coup, il n'y a pas le multi XP hein, sur celui-là, si je me trompe pas. Donc bon. J'imagine avec le vélo ça va saccader encore plus. Boum boum bing. Oh oui! Azul, je n'étais pas expliqué comment attraper un Pokémon. Oh les mains! Je ne fais rien, je regarde. Un Kunate Joy apparaît. Wistikrab, go! Je vais faire une attaque. Je vais faire l'attaque griffe. Oui, c'est grave. Utilise griffe. Maintenant qu'il a un peu moins de PV, je vais aller dans mon sac. Je vais prendre une balle. Et je vais choisir Pokéballs. Et je vais l'utiliser. Et hop, dans sa boule. Voilà. Tac, 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 tac. Yes. Yes. Cinq. 5 ? 5 ? Tiens. Sur Switch, je crois que c'était 10 ou... Non, c'était 20. 20.
Ah oui, c'est complètement pété. Non mais oh 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 oh. Et d'ailleurs, je crois que on a accès à tous les articles en plus. Je crois. Si je dis pas de conneries. Ah non, on n'a pas accès à tous les articles, ça on est d'accord. Voilà, on repère le thème tout de suite. Il n'y a pas des instruments supplémentaires à la mormole 2. Bon, comme je l'ai dit, je vais prendre un Nutourmi. Plume d'or, si vous voulez. Oh, ce serait bien que ce soit femelle exactement comme sur Switch. Ah, ça mal. Bon, pas grave, ça sera une équipe de marole. Ok. Ça devrait être bon. Sac, balls. Tu vois, chose différente. C'est bon. C'est un petit détail à la con, le fait que sur Switch, Aurore elle donne 20 Pokéballs et que sur la DS on n'est que 5. Sur 20 Pokéballs. Sur Switch, ça pousse vraiment à récupérer, vas-y, le jeu il est basé à, vas-y, récupère tous les Pokémon que tu veux. Alors que sur la DS, c'est plus, j'ai envie de dire, l'aventure. Et ça se ressent dans les souterrains, pour le coup. Donner un surnom, oui. Plume. D'or. Voilà. Oups, non. Alors. Par contre, ce qui est bien, c'est que contrairement à la Switch, le menu, il est exactement sur la même touche. Alors, Pokémon, tu plouf, ordre, hop, hop là. Voilà, au moins, il est simple. Ça, c'est un détail à la con, mais pour changer l'emplacement des Pokémon, je le trouve tellement plus simple sur la DS que sur... que sur Switch. Niveau visuel. Allez, on va l'XP un petit peu. Parce qu'il va pas monter tout seul. Contrairement à la Switch. Hein, je pense que pour le coup, ça mettra plus de temps. Donc, on n'ira peut-être pas jusqu'à Vestigignon. Jusqu'à Charbourg, ça sera déjà pas mal. Avec l'arène, tout ça. Ça sera déjà pas mal. Parce que pour monter les Pokémon, c'est beaucoup moins difficile. C'est beaucoup moins facile. D'ailleurs, un petit truc que j'ai pas remarqué sur Switch. Mais vous voyez, à côté de Etourmi, notre Pokémon sauvage, il y a une Pokéball. Ça veut dire que on a déjà pris ce Pokémon. Je sais pas si sur... celui de Switch, c'est marqué aussi. Mais je pense. Ouh! Ah bah oui! 3, niveau 3. Bah merde, attends, s'il commence à attaquer en premier, je suis dans la merde.
Au moins, c'est un peu plus difficile. Contrairement. Aïe. Non, le prochain, c'est mort. Et vous entendez le pilou, pilou, pilou. Ça, ça fait plaisir. Comme le dit le GDG, c'est le petit bruit qui fait tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Bah ça, si tu m'enlèves. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu jouer sur le coup de chance à ce qu'il fasse rugissement au prochain tour, mais bon. Comme ça au moins. Donc là, normalement, les deux plumes d'or. 12 et 12. Ok. Donc il y en a un qui est... Aïe! Aïe! Après, je peux m'amuser à XP comme ça. Alors oui, par contre, il faut que je fasse gaffe. Il n'y a pas de sauvegarde auto comme sur la Switch. Ah mais c'est qu'il fait mal, ce petit rigolo. C'est qu'il fait mal. Aïe, ça change de la Switch. Ok. Ça sera un peu plus de challenge. Ok, je pensais pas qu'ils avaient changé autant le niveau de difficulté, quoi. Ok, donc pour les 4 conseils à la Ligue Pokémon, je risque de bien douiller. De toute façon, je sais comment que c'est. De toute façon, on va XP. Hein. On va XP. En fait, c'est con parce que l'intro du stream, là où je blablate et que je fais rien, j'aurais pu parler ici. Parce que, histoire de meubler, entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va bien trouver quelque chose à dire. Nico, qui n'est toujours pas... bah tant pis. Hein. Je suis sûr et certain qu'il est en train de dormir. À tous les coups. Ouais, à tous les coups. Ouais, bah écoute. Hein. Il verra la rediff, il va voir... Ah 4 heures de rediff. Oh, flemme. Bah déjà, s'il skip tout le début, là où je blablate. Zut, j'ai pas regardé la vie des tourmis, mais bon. Ah, ça va être long, hein. C'est pour ça, je pense que déjà ce soir, si on fait jusqu'à Charbourg, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Ah putain, niveau 3. En fait, faut que mon tour vie, mon plume d'or monte de niveau. Comme ça, je serai un peu plus supérieur et ça sera un peu plus simple. Ça va, j'attaque en premier. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Aïe!
Ah. Bah d'un côté, il y a les deux qui montent de niveau. Ah, plume d'or. Yeah. C'est bon, je suis sorti. Bon, du coup, pour Plume d'Or, ça devrait être un peu plus simple. D'ailleurs, on va voir un truc. Ah, il est mal poli, d'accord. Ah oui, d'accord, la nature. Ah bah d'accord, nickel, oh, bravo, petit plouf, c'est un lâche. J'ai un mal poli et un lâche. Ah, super. Il est un peu vous... Ah non, vaniteux. Aime les aliments acides, d'accord. Très obstiné, aime les aliments amers, d'accord. Bah yes! Yes! J'ai une équipe de choc. Et puis bah tiens, regardez, là on a déjà la carte. Ah bah oui, mais vous voyez pas, c'est... Avec notre signature! Et là, il y a le nombre d'échanges, le Panthéon. À quelle heure on l'a fait, le Panthéon? Le Panthéon, c'est les 4 conseils. Hein. La Ligue Pokémon. Ah, on a un peu plus d'argent ici que sur Switch. On va monter Étourmi jusqu'au niveau 5 au moins. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. On sera tranquille. Ah, tiens, un petit truc important. Regardez en bas à gauche, dans la fenêtre attaque. Vous voyez? Il y a une petite Pokéball qui bouge là tout seul. C'est un petit détail à la con. Mais quand il y a une petite Pokéball comme ça qui bouge, ça veut dire que le Pokémon qui est à l'intérieur va bientôt monter d'XP. Il est proche à monter en XP. C'est peut-être con, mais voilà. On sait qu'il est proche à monter en XP, quoi. Qu'il est proche à monter en XP, qu'il est proche à monter en XP. Bref, cette blague est trop longue. Mais voilà, quoi, c'est un... Ah, c'est beaucoup mieux, je fais beaucoup plus de dégâts. Alors oui, je suis un peu fatigué parce que je me suis levé à 7h ce matin. Donc, bon. C'était l'acapella par Azul V3. Ouais! Clap là! Et on monte de niveau! Bah voilà, c'est tellement plus simple maintenant! Vive attaque! Ah! Alors normalement,
Normalement. Ouais, yes. Ok, ça c'est bon. Bon, du coup, on va pouvoir chercher notre X-Ray. Notre Lixi. Puis après, avec le Lixi, on va faire pareil. Hein, on va le monter un peu de niveau. Ah, pas toi que je veux. Ah, c'est vrai qu'il y a Vive Attaque maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? C'est sûr qu'on one-shot pas. Hein. Vous comprenez pourquoi sur Switch, cet après-midi, j'arrêtais pas de faire des allers-retours entre le bâtiment de soins et puis les herbes, hein? Parce que le moins de petits PV en moins, ça peut jouer énormément. Bon, au début, c'est pas trop grave, mais bon. D'ailleurs, si on n'a plus de Pokémon... Ah si, on revient... au dernier centre Pokémon visité. Ou au plus proche. Oh, là, par contre, oui. Là, sur le panneau, c'est pas marqué. Enfin, c'est pas marqué la route directement. Ah non. Yes. Normalement, il monte de niveau. Yes. Par contre, il a l'air d'être à chier. En défense et en attaque spé. Par contre, en vitesse et en attaque... Contrairement à Tiplouf où c'est un peu plus équilibré. Ah mais Tiplouf, ça a l'air d'être un... Il tank. Parce qu'en défense... Plume d'or, c'est la rapidité et l'attaque. C'est le scout. C'est notre scout. Ah oui, il faut mon X-Ray. Non, je m'en fous de Kenator. Ah, oh, oh putain. Allez, on monte. Niveau 7.
Allez, let's go, comme ça au moins ça sera fait. Ouh, on a vu tous les pixels. Ouh, ça fait mal aux yeux, mais bon. Niveau 5. Oh, on a bien fait de l'avoir monté. Bah regardez, on va faire Vive Attaque. Ah non, pas rugissement. Ah non, mais tu vas mourir de toute façon, ça sert à rien de baisser mon attaque. Tiens, tu vois, même pour t'insulter, je vais faire charme. Ah. Mais par contre, il fait mal, lui. Ah oui, par contre, c'était risqué, vu qu'il a pas mal baissé mon attaque. 60. Yeah. En vrai, je trouve la musique de combat tellement plus stylée sur la DS que sur la Switch. Après, c'est peut-être parce que je préfère jouer sur la DS. Donc forcément, bah du coup, hop, on rechange. On rechange pas. Niveau PV, c'est lui qui est le plus bas. Bon, je veux mon Lixray. Bon. Enfin, mon Lixi. Ah, si ça se trouve, c'est plus haut qu'il faut que je peux l'avoir. Donc, faut que j'avance. On va rush. Vous voyez, quand je vous disais, quand on faisait cet après-midi, quand on faisait le jeu sur la Switch, au début, on a tendance à tout esquiver parce qu'on veut avancer. Et un bout d'un moment, on essaye de choper un maximum de dresseurs, d'aller dans les herbes ou trucs comme ça pour augmenter de level. Chose que, bizarrement, sur Switch... Tu voulais pas éviter tout le monde. Tu voulais te combattre contre tout le monde parce que tout était simple. Alors là, vu que c'est beaucoup plus compliqué. Deux Pokémon, hein, c'est ça.
En vrai, la musique, elle est tellement stylée. Elle est tellement stylée, la musique du combat. En fait, tout simplement parce que c'est... elle est simple. Ah bah. Alexis. Yes. Mâle, femelle, pas mal, bon bah ça sera une équipe de bonhommes. Alors je vais essayer de pas trop te tuer. En plus déjà niveau 4, c'est déjà pas mal. Ok. Normalement, si je le refais une autre fois, ça devrait passer. Mais fais pas un coup critique. C'est bon. Vous voyez, là, l'élixir, ce que je disais sur la Switch. Merde. Sur la Switch, t'as pas... Oh bah tiens. T'as pas l'impression d'avoir des profondeurs. Que là, t'as une impression de profondeur dans les yeux, dans les oreilles et tout ça. Donc c'est pour ça que je disais que je le trouvais beaucoup plus joli sur DS que sur Switch. Bien sûr. Je pense que vous savez quel nom je vais mettre. D'ailleurs, sur Switch, j'ai trouvé le bonhomme pour changer les noms. On va mettre sans faute, hein. Quand même. Non. Ok, yes. C'est tellement plus simple le changement. Y'a pas à dire. Donc c'est niveau 4. Donc on va aller l'entraîner un petit peu. Un petit peu en amont. Enfin en aval. Ah oui, d'accord, il a que charge. Il a même pas rugissement ou une connerie comme ça. Ah, ça va être long. Ok. Surtout si Conator me fait rugissement. Ça, vous pouvez être sûr que je... Cette musique de combat, je vais la télécharger. Et ça va aller, et je vais l'écouter dans la voiture. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Yes. Il est pas encore niveau 5. Ah!
J'aurais dû mettre... Ah ! Ah ! J'aurais dû faire comme sur Switch pour l'orthographe de étincelle, parce que c'est un mâle. J'aurais pas dû mettre deux L, E. J'aurais dû mettre un seul L. Bon, il y aurait eu une faute, mais... Ça va se jouer là. Est-ce que je vais crever? Est-ce que je vais pas crever? Ouf, 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 ouf. Oui, yes! Quand je vous dis que sur Switch c'est beaucoup trop facile, je vous mens pas. Là, au moins, t'as vraiment l'impression d'être un dresseur. Parce que c'est difficile. Enfin, c'est pas ultra difficile, mais c'est difficile. Puis vous comprenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je vais toujours au centre Pokémon dès que j'ai terminé un combat. D'ailleurs, il a monté de niveau. Il a monté de niveau. On va pouvoir passer par ici maintenant, du coup. On va le monter à niveau 6 au moins. 6-7. Putain, il est déjà 22h, ça fait... Mon Dieu! Je l'ai dit, hein, on va jusqu'à, au moins jusqu'à Charbourg. Et on fait la rêve. Non, je suis un fou, hein. Moi qui voulais aller jusqu'à Vestigignon. Non, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais bon. On voudrait passer une bonne partie de la nuit, quoi. Après, on pourrait en rushant, mais... Mais bon, je veux prendre mon temps. Je pense que vous l'aurez compris. Prudence, MR de sûreté, comme le dit un Saint Robert. C'est con, on voit pas tout à fait le Dialga qui est juste en dessous là. Mais bon, au moins, c'est dans le thème quoi. C'est pas grave. On va dire que l'image qui est là, c'est la tête de Dialga. Hein? Oh! Dio! Un Krixik ici? Oh, je suis surpris. Je suis surpris. C'est bien la première fois que j'en vois un ici. Non. D'ailleurs, je sais même pas si... Ah! Si dans ce Pokémon, il y a la notion de Shiny. Mais bon. Aïe. Ça va faire mal. Aïe. Se concentre. Je crois que c'est au prochain tour. Allez, Tiplouf, essaye de tanker son attaque. D'avoir changé. Putain, il est dur celui-là. Ça va, quand il utilise patience, on a trois essais. Enfin, on a trois tours tranquilles. Et par contre,
sa défense augmente considérablement. Yes. Ah bah non. On n'a pas plus. Je crois qu'on l'a pas fait, elle. Va falloir qu'on le fasse. Décidément. Ah mais non, mais... Non mais... Il me poursuit, il veut sa revanche. Il veut sa revanche. Me casse. Je vais y arriver. C'est surtout le début qui est long et qui est... Enfin, qui est difficile, oui et non. C'est en fait, pour réussir à monter de niveau, à être au-dessus de la zone. Pour les niveaux. Si t'es au-dessus de la zone, ça va, ça passe tranquille. Enfin, tranquille. On l'a bien vu avec Chrysalis... C'était limite. Mais bon. Pour ça, il faut encore plus de niveaux. Venir encore plus fort. C'est pareil, ça. Les effets de l'attaque. Enfin. Les buffs d'attaque, de défense, c'est-à-dire la défense augmente ou descend ou ces choses-là. Est-ce que ça applique, je veux dire, si tu fais plusieurs combats, est-ce que ça applique sur de plus à tous les combats jusqu'à ce que tu le soignes, ou est-ce que dès que le combat il est fini, c'est bon, il n'y a plus ces effets, tac, tu refais un autre combat, tac, tu repars de zéro entre guillemets. Mais je pense pas. Hein. Vu que j'ai eu pas mal de rugissements, on va le re-soigner encore. Ouais, je sais, je fais pas mal d'aller. Voilà. Oh putain, elle est pleine celle-là. Je parle de la gourde. Pas d'inquiétude, c'est que de l'eau. Oh, elle est fraîche. Ouh. Voici, on va esquiver tout. Ah ben non, mais on l'avait déjà battu, l'autre. On va aller jusqu'à au moins Félicité. Parce que faut qu'on avance aussi un bout d'un moment. Non, d'ailleurs, c'était quoi ces conseils? Conseil au dresseur, tout Pokémon apparaissant au combat, même une fois, reçoit des points d'XP. Plus vos Pokémon. Là, je me demande si sur Switch il y a cette pancarte. Parce que théoriquement, vu qu'il y a le multi XP. Il devrait pas y avoir cette pancarte. On a bien fait de monter. Bah du coup ça va être que du charge. Ah. Il attaque en premier. Mais on doit faire beaucoup plus de dégâts. Donc. Ah. C'est quoi? C'est l'attaque? C'est la défense. Ah.
ça devrait passer. Yes. J'ai un coup d'avance. Yes. Ouh, j'ai un peu trop bu. Ta 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 ta. 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 Bah, yes. Je dis pas non. Allez, let's go. Va te reposer un petit peu. 25-25. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont gardé les mêmes stats, je veux dire, niveau vie. Parce que je me souviens, à un moment, il y avait deux Pokémon qui avaient exactement... les mêmes points de vie. Pourquoi ? Normalement, théoriquement, quand on va arriver à Charbourg, on devrait être bien niveau XP. Doulou. Ah. Ah. Oh non, la musique. Bonjour Azul. As-tu attrapé des Pokémon? Je crois que... Blablabla, l'école de dresseur, patati patata, patati... Là, on repère le thème, encore une fois, très facilement. Contrairement à sur la Switch, où... tu mets un peu de temps avant de reconnaître le thème. Bonjour messieurs, vous êtes sur votre DS ? Lol. Ah non. Ah oui, c'est vrai. Eux, ils peuvent se battre. Oui, 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 oui. Tu vas étudier aussi, patati patata. Donc on connaît le colis, blabla, la carte. Ok. J'hésite à me battre maintenant contre eux. Je crois que c'est juste que des Pokémon psy, hein, donc normalement ça devrait le faire. Abra, ouais. Ah ouais, mais je peux faire que écrase-face. Pour faire grand-chose, moi. Oh, si, quand même. Autant de dégâts. Prochain tour, je meurs. Essaye de tanker.
j'espère que son attaque... Yes. Ouh, c'était chaud. Ouh. Yes. Écume. Ah. Tiens, d'ailleurs, c'est écume, c'est pas bulle de pistolet à eau. Je me demande si les capacités, c'est aléatoire à partir d'une fourchette. Regardez la carte. Regardez la carte. N'est-elle pas belle? Elle est simple, efficace. Où sois-toi la petite fille? Ah, je veux sortir. Alors, on a notre monsieur montre. Il y a un petit fou là-haut qui est apparu. Ah, c'est vous. Alors, je suis un bouffon. Avant, pour la question, un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats? Il était point d'XP. Oui. Ouais, j'étais pas fou sur la Switch. Il y avait bien de l'eau dans cette fontaine. On est d'accord. Oh putain, j'ai même pas lu la question. Pareil, j'ai même pas lu la question, mais je savais que tout était oui. Yeah! Je vais juste aller chercher la petite canne à pêche. Ça, c'est de la musique. Yo. Ah. La fameuse Pokémon. Qui est là en permanence cette fois-ci. Qui nous dérange pas sur tout ça, qui nous gêne pas la vue. Je crois qu'il y avait rien à voir par ici. Ah voilà, la vive griffe. Comme ça, je vais pouvoir voir si... on peut personnaliser les Pokéballs. Il me semble que oui, mais ça me surprend quand même. Ah bah oui, c'est l'heure du PC. Oui, je suis con. Je me suis dit, bah merde. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'entraîner un petit peu parce qu'on doit affronter Enzo.
peut aller là-haut. On peut aller là-haut. Antipara. Tiens, un Nocerati. Seul. Ça va mettre longtemps, hein. S'il veut me battre. Ce qui est dommage, c'est que je sais pas combien de points je lui enlève. En même temps, ce serait trop cheaté, je pense. Par un coup, et c'est bon. D'ailleurs, faut que je pense à enregistrer aussi. Pour Gryffondor. Ah. Il passe deuxième. Comment on fait couper la musique et qu'on la remet? En mode cher. Canator. Oh, ça devrait aller. Niveau 7 quand même. Ça devrait aller. Ça va le faire tranquille. J'ai cru qu'il allait monter d'un coup. 112, pas plus, putain. Radine. Tiens, d'ailleurs. Regardez sur le petit panneau. Hop là. Allez. D'ailleurs, je vais mettre... Ah oui, mur. Je vais plus mettre cet écran parce que la santé de mes Pokémon sont plus importants que l'heure. D'ailleurs, petit truc rigolo. Je sais pas si on peut le faire sur Switch, mais je pense que si. Ah, quand même. Ah, putain. Ah, c'était nul. Maman. Magikarp. Ah, c'est con, j'ai pas de capacité de pitbull.
J'ai que des types normales là. Ça va. Magica, Magica. Du coup, pour faire évoluer les Magikarp, c'est encore beaucoup plus difficile sur ce Pokémon, puisque il n'y a pas de multi-XP. Hein. Du coup, t'as pas le choix de lui faire apprendre, forcer à lui faire apprendre des CT ou des CS. Oh, Crudel! Yes! Nope. Ça me paraît assez important de faire ça. Bonjour madame. Nani ? Ah là là. C'est un peu difficile. Ou pas. Ça va être juste long. Ah, Volvi. Ah, oui. Bah si, il s'amuse à faire ça. J'aime pas trop ça. L'attaque spé, ok. Ouais, vas-y, continue à faire croissance. Et là, tu vas voir, elle va me sortir un Kamehameha, je vais rien comprendre. Ouah, 102, yes! Niveau 9. Chargeur. Ouais, on va atteindre les niveaux 10 sans problème. Parce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, les Pokémon, ces Pokémon, lui, au champion, je crois que ça va. Pour être bien, faut être niveau 15. Parce qu'il a son Pokémon qui est niveau 14 de mémoire. Ou 13, je sais plus. Mais de toute façon, je mets Tiplouf et puis c'est bon. L'affaire est réglée. Tiens, Écume, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Why not?
top 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 top. Bon, si on allait sur la droite. Ah bah ouais, mais on devait affronter Enzo, c'est vrai. Je l'avais complètement zappé, lui. C'est pour ça qu'on est parti en haut, c'était pour XP. Blablabla. Ah non. Voilà, c'est là. Ah merde. Oh merde. Ah oui, niveau 7 quand même. Ah oui. Donc j'ai bien fait de l'XP quand même. Ce n'est pas encore fini. Bah... j'ai pas dit ça. On est qu'au début. Je vais l'avoir avant. Ah, sauf s'il utilise ça. Ouais. Allez, on va l'avoir. Putain, il fait que rugissement. Tiens, c'est drôle, c'est comme sur la Switch. Parce que je me suis souvenu avoir dit. Oh, ça va, arrête de faire rugissement. De toute façon, tu sais très bien que tu vas crever. Mais bon, il fait rugissement, ça va me pénaliser pour après. Que je vais faire moins de dégâts. Oui. Niveau 9. Et d'ordibouze, zébardi, zé à toi, zébardi, zébardi. Niveau 9. Ah ouais. Ah ouais, les niveaux, ils sont bien plus élevés. Je vais pas lui faire de dégâts. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Avec tout ce que j'ai pris avec l'autre. On va essayer d'en faire un max quand même. Ah ouais, non, mais s'il s'amuse à augmenter la défense aussi. Ça va être long. Ça va être un putain de tank. Il va faire très peu de dégâts, mais beaucoup de défense. Ça va être interminable. Ça va être interminable. Attends, je veux juste voir jusqu'où on peut aller. Parce que là, au point où on est, je retire qu'un PV par un PV. Non mais... Bon. On va peut-être changer de Pokémon à bout d'un moment. Vous croyez pas?
Voilà, il est rendu à un par un. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... il y a deux types plantes. Donc, normalement, les ailes, ça doit lui faire du mal. Mais non, mais arrête! C'est déjà un sac à PV. Ça va être long. Le combat de l'éternité. Mon Dieu. Où il se passe absolument rien. Mon Dieu. Oh, surtout s'il utilise des potions. Oh, j'espère pas qu'il va utiliser une potion. Allez. J'espère qu'il va pas utiliser de potions, sinon faut tout recommencer. C'est bon. Allez, au suivant. Ah non, c'est bon. Oh yes, ouf. 900, c'est tout. Sur la Switch, c'était 1100 et quelques. Ah ouais, non mais sur la Switch, c'est... on est d'accord, c'est... ça facilite beaucoup trop le joueur. Ça favorise surtout vachement la capture des Pokémon et pas les l'aventure. Enfin, ce que je veux dire, l'histoire comme là dans ce jeu. Parce que là, capturer tous les Pokémon, c'est en secondaire. Que sur la Switch, ça a l'air d'être le principal. Donc bon, quête. Oui. Ouais, bon, on va être bien. Non, mais t'es sérieux? Plume d'or, quand même! Je sais que t'as pas mal de PV, mais quand même... Niveau 10! Oui, faut pas que j'oublie qu'il faut que je prenne un Pokémon pour les CT. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas un Pokémon qui peut faire vol? Et en même temps...
4 rocs. Et pour le coup, coupe. Faut que je vois si Tourmi peut apprendre éclat rock. S'il peut apprendre éclat rock, mais tu te fous de moi. Ah non, c'est pas un combat. Si Tourmi peut prendre éclat rock, faut que j'aille choper un Pokémon éclat rock avant d'être trop level up. Ah non, pas celui-là encore. Il a qu'un seul Pokémon, est-ce qu'on tente le coup? La griffe qui me sauve la vie, qui fait que je passe en premier. C'est tendu. Je crois qu'on le sent la fatigue là. Ah, là. Yes, niveau 10. Ah non, on recommence pas avec ça. Ah non, c'est bon. Non, là c'est du foutage de gueule, non. J'ai mon siège Queen. Je sais pas si ça s'entend au micro. Rose bouton. Ah non, c'est. Putain, c'est con que j'ai pas Wistikram, je l'aurais cramé. Lol.
Ouais, vas-y, utilise croissance. Ah. Pas gentil. Soixante-quatre, bouh, c'est pas beaucoup. Hop. Oh mince alors, zut. Je sais pas si l'eau sur eux, ça a fait quelque chose. Ou si coup ça. Ah, c'est la défense. Allez, vas-y, on part avec ça. Ah! Je sens qu'il va frapper dur. Mais c'est bien ma défense qui descend, c'est pas mon attaque. Putain. Ça va. Capsule secrète. Ouais. Oui, je sais. Alors, la grande question est... Fuck. Ouais, parce que... Ouais, pour passer, on n'a pas le choix d'avoir... D'avoir un Pokémon de type rock. Parce que sinon j'aurais pris Oot-Oot. Sinon je peux prendre un Machopper. Merde, comment j'avais fait avant pour... Non, j'avais pris un caillou, un racaillou et puis... Ouais.
Ben, j'ai pas fait une tournante. Bah yes. Ouais, parce que normalement c'est lui. Pam 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 pam. De peu. Non. Tant pis. Ouais, c'est bien ça, Nico, il devait dormir. Parce qu'il a toujours pas vu mes messages. Lala. Ah là là. Il se couche à l'heure des poules. Ça se lève à 6h et ça se couche à 20h. Voire même plus tôt. Ah là là. Désolé mon cher Lexi. Oh quoi que, allez. Hop. Comme ça, ça s'est fait. Par contre, c'est les mêmes objets au même endroit, ça c'est bien ça. Enfin, bien oui et non. Du coup, faut que je trouve un caillou. Parce que Nosferati, c'est même pas la peine. Blablabla. Bla, bla, bla. Putain, j'ai un truc qui me gratte dans la gorge. C'est horrible. Tiens, je... Ah non, c'est dans le jeu, je pensais que c'était à l'extérieur qu'il y avait le fameux musée, voir comment que c'est à l'intérieur. Ah oui, d'accord. D'accord, ouais. C'est très... D'accord.
Et puis je voulais voir aussi si c'était en animation, animer les convoyeurs. Ouais, on est d'accord. Ils sont pas... Il est où? Il est là. Ah. Tiens, c'est enfin débloqué en bas. Bon là, toute cette partie-là, on pourra pas. Avis de... Le club Wi-Fi Pokémon. Ou le truc Wi-Fi Nintendo. Enregistre ami. Ah oui. Bonjour. Par contre, ils ont gardé les mêmes prénoms. Oh, presque, un petit kowak. Let's go, sûr. Bon, écrase face. Thank you.
Hop, ça c'est fait. Putain, on monte tellement vite de niveau. C'est incroyable. Tourniquet. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de rocher, on s'en occupera plus tard. Allons chercher notre champion d'arène. Ah bah tiens. Il m'en fallait un. Sauf que je vais avoir un peu de mal. Oh non, si on n'y va pas à pas. On va. Elle devrait le faire. Dernier, ça devrait être bon. Ah, c'est rigolo parce que dès que les Pokémon se sentent en danger, tac, ils augmentent ou ils augmentent leur défense ou ils font baisser l'attaque des autres. Normalement ça passe tranquille. Ok. J'ai vu sur des chemins montagneux où il reste enfui à épigner les alpinistes. Mais... ouais, allez. Roger, Rocher, bon voilà quoi. Après, il sera surtout la cinquième roue du chariot quoi. Oh non, en plus c'est une femelle, oh bah merde, Rocher, bah tant pis, pas grave. Ah, c'est son ami.
dit, ne repartez pas avec. T'inquiète, on s'occupe bien, on va bien s'occuper de d'elle. Ah. Voilà son petit ami. Mais t'inquiète pas. On lui veut aucun mal. Bravo! Corde de sortie. Ouh, ça c'est très important ça. Okay. Mais... Je t'ai dit quoi ? Incroyable. Oh là, là c'est le daron. Mais... Ils vont finir par me tuer. Là c'est le frère. Mais... Ah... Ça sert à rien d'essayer de la sauver. Je l'ai capturé. Puis si vous continuez, je sors mon petit plouf. Hein. Aïe. Aïe. Hop, c'est bon. Yes. J'aime pas les zones où t'es pas tranquille. Bon, on peut se faire la reine. Logiquement, la CT, yes, elle est toujours là. Par contre, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir mis une d'or en premier. J'ai comme l'impression qu'il va falloir que je farme quand même un petit peu plus. Hein. Parce que là, niveau 10... Ah oui, il fait mal. Tourniquet, je crois pas que c'est une attaque. J'aurais pas cru. Ouais, c'était pour économiser les PP, mais bon, en PP, je sais qu'on en a beaucoup. Il restait plus qu'un Pokémon. Donc, il y avait large.
Deux Pokémon, d'accord. Ah non! Ah, et puis j'ai pas regardé ce qu'il faisait, Tourniquet. Pour qu'il gagne de l'XP un petit peu. Même si Tiltouf il prend un petit peu cher. Bon. Désolé, ils t'ont mis. Je te fais ramener pour rien. Ça n'a pas suffi. Enfin, sa défense n'a pas suffi. Yes. Yes. Donc alors, fais voir ce que Tourniquet fait. Un lanceur s'asperge d'eau, affaiblit les capacités feu. Quand tu lances. Ok, d'accord, c'est de la merde. Exceptionnellement, on va faire ça. On espère que ça va passer tranquille. Normalement, il n'y a pas de couet. Allez. On sait jamais, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ah mais il est de niveau 12 son Pokémon. Ça va être juste. Un Obnix. Pour le moment ça va, c'est bon. Thank you.
Donc là, on fait pas le malin, on fait pas écrase-face. Ah putain, il utilise une super potion. Mais ça veut dire qu'il va pas l'utiliser pour l'autre. Ça, c'est bien. Ok. Putain, non, 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 non. Résiste, résiste, résiste. Sinon, on est vraiment dans la merde. Ah, c'est pas assez, c'est pas assez. C'est bien la première fois que j'utilise une potion. D'habitude, j'utilise pas de potion parce que ça fait perdre un tour. C'est pas beaucoup. 20 PV. Ça fait perdre un tour et puis... Je vais vite les reperdre. Ah non, c'est bon. Putain, c'est la défense. Ok, écume, écume, écume. Merde! Ah, c'est bon, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Chaud! Bah, écoute... fais de ton mieux. J'ai envie de dire. Fais de ton mieux. Ah putain. Dis-moi pas que ça va être Rocher qui va réussir à le finir. Parce que là on perd de l'XP. Hein. Est-ce que je spam vive attaque ? Ouais, bah ouais, forcément. Ouais, le problème, c'est ça. Je crois que j'ai jamais été dans... Dans cette situation, bon, théoriquement, ça peut passer, théoriquement. Oui, ça passe. Non ! Non ! Non, 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 non ! Poursuite. Oh mince ! La DS s'est coupée. Zut alors. Oh bah zut!
Oh, elle s'est coupée toute seule, la déesse. Bah zut alors. J'espère que ça s'est sauvegardé. Oh merde! Ouais, si, quand même. Oh merde! Bah j'hésite à monter pour le coup rocher. Merde. Merde. Généralement la première arène et la deuxième arène ça passait tranquille. Ah oui, mais du coup, je suis au niveau 72. Enfin, 12. Bah oui, c'est normal. C'est pas grave, on va farm un petit peu. Ça va être long. Ah putain, cette musique. Ouais, tu vas me dire à ma chopper les deux types combat hein. Non, pas lui. Même s'il est bas level, il me saoule. D'ailleurs, c'est quoi tout à l'heure qui m'a... Ah oui! Ah oui! D'accord. Aïe! Bon, je vais retenter un petit coup le combat. Et puis si on n'y arrive pas à nouveau, on s'arrêtera là. Je fermerai un petit coup en off. Tranquillou, parce que c'est pas que je commence à fatiguer, mais quand même un petit peu.
ça c'est ok. Ça c'est ok aussi. Aïe. Mais déjà, il n'a pas attaqué, donc ça c'est déjà bien. Putain! Normalement... Ah! Ça aurait été parfait. Dis-moi que c'est la défense. Ouais, c'est la défense. Ok, ok, ok. Mais ça veut dire qu'il a utilisé sa potion sur lui. Donc, il va pas l'utiliser sur l'autre. Ok, normalement, niveau 14. Yes. On est du même niveau que l'autre. Il devrait être mieux. En vrai, j'aurais peut-être dû changer. Pour qu'il fasse baisser un maximum la défense. J'aurais dû envoyer les autres cobayes. Bon, par contre, faut qu'ils me laissent réagir avant. Après il envoie son coup de boule. Ah non, c'est bon. Ouais, vas-y, de toute façon celui-là il est sacrifiable. Enfin, sacrifiable, non, c'est horrible de dire ça, mais bon, plus je vais baisser sa défense, mieux ce sera. J'envoie lui ou pas? J'ai peur qu'il meure. Aïe. Ah voilà, au moins contrairement à la Switch, t'es content d'avoir Ah, j'ai une capacité. Alors c'est quoi? Reflet.
c'est une capacité de merde, reflet. Ah merde, non, j'aurais dû oublier reflet et pas rugissement. Ah non, mais quoi. C'est embarrassant. J'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Ah bah ça. Ah yes! Du coup, ouais, on va aller à City Truc. Et on va s'arrêter à Felicity. Eh bah putain. Ah! Ah oui, il y a lui. Oui, je sais. Carnet. Ah oui, c'est... Ok. Bon bah du coup... On va se laisser là. Je vous dis merci à tous, à la prochaine, je vais faire une sauvegarde quand même au niveau de l'émulateur, on ne sait jamais, fail, save state, hop là, voilà, et du coup je vous dis à la prochaine, tchuss.